Paul, association Bellastock. Le festival Bellastock. C'est, ça a lieu tous les ans, on l'organise depuis 8 ans en Île-de-France. Ça, c'est le premier festival que nous, on délocalise en France. On participe au projet Made in Vitrolles, qui réunit 4 collectifs associations d'architectes. Nous, on aura une action collective donc, au mois de juin, tout juin dans le centre urbain de Vitrolles. Et notre association Bellastock organise un festival qui aura lieu au mois de juillet, qui réunit 150 étudiants en architecture pour construire des mobiliers à destination des Vitrolles. L'idée en fait de parler AA et de demander un petit peu de poser des questions un peu aux habitants de Vitrolles sur qu'est-ce que l'association Bellastock, avec les moyens de l'association Bellastock et la méthode Bellastock, peut faire pour participer à la vie vitrolaise une fois que le festival sera fini. Et du coup, à partir de là, une fois que nous on a réuni un peu toutes ces questions et toutes ces réponses, on écrit des cahiers des charges pour donner aux participants du festival de l'association Bellastock qui se déroulera à Vitrolles. Après, sur notre rapport à la ville et la compréhension qu'on en a, c'est effectivement, on aperçoit une ville assez morcelée, des liens qui sont parfois difficiles à tisser avec entre les quartiers. Donc nous, on a décidé collectivement dans le projet Made in Vitrolles de se concentrer dans le centre urbain avec comme objectif de retrouver des nouveaux usages avec les habitants, de faire participer les habitants à ces questionnements, comment occuper l'espace public, comment faire en sorte que la place de Provence ne soit pas qu'un lieu de flux où on passe du collège à la gare routière, du bar au cinéma et ainsi de suite, mais comment trouver des nouvelles pratiques de cet espace, comment on peut faire en sorte de s'y arrêter, des lieux de convivialité, tout ça. C'est une manière, on l'espère en tout cas, d'essayer de tisser un lien entre les quartiers justement, en créant des micro-équipements qui font repère, qui permettent d'unifier, voilà, c'est une petite manière de le faire, à notre échelle, avec nos moyens, mais on espère que ça peut débloquer des choses dans la tête des Vitrolais, notamment développer l'idée que chacun peut s'approprier sa ville et participer à la construction collective des choses.